Il me faut plus de nectar royal. Hello, bonjour à tous et bienvenue pour la suite de Monster Boy and the Cursed Kingdom. Et alors non, pas celle-là, puisque celle-là, en fait, je suis obligé de recommencer le jeu pour avoir une save, on va dire. Voilà, donc on est arrivé en fait ici. Voilà. Et dans la dernière, dans le premier épisode, on va dire. Et ben notre petite Jean avait trouvé que son oncle, en fait son oncle, surtout qui avait trouvé une baguette magique et qui s'en servait un peu à toutes les sauces. Et du coup elle avait transformé Jean en vilain cochon. Je peux même pas. Mais c'est pas juste. Enfin bref, du coup. Ah ouais. Allez, dors mon cochon. Allez, en plus dans les ordures, on ne voit plus, hein. Attendez. D'accord, ok. Non, pas sérieusement. Ouais, bon. Alors il faut faire. Alors ça, c'est une idée intéressante. Alors mon cochon, par contre, tu peux juste te mettre là. En fait, voilà, c'est ça, ça donne aussi des super pouvoirs, alors ça c'est cool. Ça trouve les secrets en fait. Le super groin aide à trouver des super secrets. Alors ça c'est super ça, vraiment. Par contre du coup, je suppose qu'on va éviter de se baigner, hein. L'eau n'a pas l'air forcément très accueillante, c'est ça. Elle a l'air chaude mais pas forcément très accueillante. Si je parle pas de Miranda là. Là par contre. Mais sérieusement, y'a rien d'intéressant là. Si, y a quelque chose par là, c'est obligé. Oh bordel. Bon. Gaspillage. Ah ouais. Ah d'accord. Ah bah en fait, si. Si, si, l'eau elle est complètement. On peut carrément se mettre dedans si on veut. Voilà, ça sera mieux là. Hop. Ah, c'est quand même mieux comme ça. Hop, et la musique est aussi très sympa, vraiment très sympa. Ah, une goutte irisée. Oh, on va retrouver Nai. Une goutte faite d'une substance spéciale magique. Son parfum est étrangement irrésistible et elle s'avère essentielle pour les maîtres du butin. Et également pour les maîtres de Christine Butin. Forcément. Forcément. Ah oui, désolé du coup pour la référence Nai. Ah bah là on peut pas faire le. Ah désolé. Je peux pas faire le super gros parce que. Alors franchement, juste parce que je trouve ça. Le pic. Ah non mais sa tête elle est trop drôle. Voilà, il sent mais c'est qu'il sent pas non et ça n'aide absolument pas. Ah mais c'est tellement génial en fait ce jeu, il y a plein de petits détails, vous voyez, c'est peut-être trois fois rien, mais alors moi ça m'amuse forcément. Ah non mais je tombe fort logiquement dans le panneau. Oui je testais parce que juste je l'avais pas fait et on sait jamais. Et là non, on va quand même les éviter. Et oui du coup la référence Nai, c'est la référence. C'est pas Noragami, c'est mince. Carnaval, c'est ça, oui. Bon, pas forcément le meilleur manga que j'ai pu lire, hein, mais ma foi, c'était intéressant. Voilà. C'est un manga qui se laisse lire. Voilà, on va dire qu'il se laisse lire. Ah, alors c'est un teaming. Mais je soupçonne qu'on m'ait laissé quelque chose. Et je soupçonne qu'on m'ait laissé quelque chose en dessous. Ça me paraît un peu trop. Trop gros, vous voyez cet écran. Ah, désolé, Jean, c'est pas parce que je dis ça qu'il faut tout de suite. c'est par là qu'il faut aller. Oh, ça va, tu peux déconner. Bref. Il va pas. On va se concentrer quand même, parce que là, c'est. On plaisante, et puis pendant ce temps-là, nous, on avance pas assez. Non. Ah bah, il y a un ennemi. Et puis au niveau de combat, il a pas l'air bon du tout. Hein. Ah non, c'est pas un.
Ah c'est ça en fait, faut juste avancer pour qu'il balance son gros bide. Lui son gros bide. Désolé mon cochon, mais c'est un peu ce que je ressens. Ah par contre on peut pas aller plus haut que 5. Ah c'est bon. Wait. Ah mais je suis bête. Je suis bête. Alors, vous m'excuserez, c'est un peu ce que j'ai testé. C'est un peu ce que j'avais testé la fois d'avant. Bon. Ouais, par contre, je suis vraiment obligé de faire ça parce que, bah, sinon, si je voulais récupérer mon cinquième de feu, et ben, je ne pourrais pas. Vous sentez le piège? Ah ah. On peut même assommer les ennemis. Tant vu le cul que t'as, mon cochon, c'est logique. Vas-y, fais le blaser, hein, je dirais rien. Il est susceptible. C'est quoi? C'est quoi ce haut? T'es un cochon breton, non? Alors là, toute la Bretagne va m'enguirlander en commentaire. Ça y est. Attendez, parce que là du coup... Non mais il a cru quoi le rat? Il a cru quoi le... Et l'autre qui saute là, il y en a qui croient vraiment. Allez, il va sauter. Ah non même pas. Ah bah je suis déçu. Et hop. En fait il est complètement en train de l'assommer celui-là. Ah ouais, mais je peux pas remonter. Ah, mais zut. Ah, mais zut. Non, pas ma zette. Attendez, carte. Ah, si, ressources. Ah oui, mais le ressource ouvert, alors, c'est ça. Mais regardez la vitesse avec laquelle il revient, lui. Non, mais il a une vitesse, le rat. Hein. Je vais les rats. Bon, ça va, maintenant, je suis plus tranquille, hein, vu que j'ai... Comment dire? Avec le ventilo, c'est vrai que ça aide. Mais... Ah mais c'est pas juste. C'est vraiment pas juste. Toi, mon garde. Prends garde à toi, hein, vraiment. Parce que... Tu vas morfler. Il a vraiment morflé. Ah, quand je vais revenir, il va se prendre une beigne. On est bonne baignée là, on va se baigner, c'est ça. Quick, 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 enlèvons. Et du coup, nous, ça peut nous permettre de revenir ici. Mais il n'y a rien d'intéressant, donc on peut... C'est ça, on ne peut définitivement qu'aller par là. Hop, lui. On fait ça, mais alors là, vous allez voir l'autre qui va... Ah non, même pas. Ah, je suis déçu parce que je m'attendais à ce qu'il revienne, mais en fait, non, la force sur. Sur cochon. C'est ça, la force sur cochon. Regardez ce rat, il a une tête de méchant. Il a une tête de méchant. Allez, vous voyez, il est sournois, comme un rat. De l'expression défait comme un rat. Voilà. Schlack. Tiens, ça prendra. C'est joli. C'est pas facile à faire. Mais c'est bien joué. Sale méchant, va. Et voilà. Voilà le coffre qui nous donne une clé en serpent. Une serpent-clé. Une clé verte des égouts. Allons, c'est juste une clé verte tout à fait banale. Qui était réfistolée. Cette clé devrait ouvrir une porte verrouillée quelque part dans les égouts. Alors, pour te dire où. On ne peut pas. Ah mais là il se fait frapper mais de avec plaisir quoi, vous voyez. Il se fait frapper hein, certes, mais il n'a pas envie de venir nous combattre. Alors il y a une porte là. Parce qu'il commence à y avoir un poil trop de secrets, vous voyez. En plus les secrets sont temporaires, c'est fun. Ah, il y a un cadavre là, sur la droite, c'est un peu... Je suppose que c'est un cadavre. Ah. Et la fameuse porte verte.
magie. Ouais. On va pouvoir se reposer. Ouais. Cherche. Cherche ton billet. Cherche. Cherche. Ça appelle ce, le deuxième niveau de ton billet. Hein. Deuxième ou troisième d'ailleurs. En fait, je sais pas forcément. Ah ah. Parce que ça pousse en plus. Ah bah bravo. C'est pas parce que je dis que ça pousse qu'il faut forcément pousser. Hein. Voilà. Tu peux désormais transporter plus de boules de feu. Une puissance de feu supplémentaire signifie plus d'ennemis fuyant ta colère brûlante. Oh nice, voilà, on en a 10 d'un coup. C'est génial. Ouais, on a vraiment fait ce qu'il fallait. C'est sympa. Et donc du coup, vous avez vu en plus la lumière qui vous guide. La lumière, la brume qui vous guide dans les... Un peu dans les secrets, hein. Voilà. C'est comme les bouteilles dans Dwarf Soulstorm. Soulstorm, hein. Ça, on y pense, là. Ah ah. Ah, c'est joli, ça. Ah, c'était vraiment joli. Ah, il a envie, mais il a envie de mordre la maison. Et non, sur l'Exode, c'est ça, merci l'Exode. Allez hop, là faut vraiment arriver et foncer tête baissée pour le choper, quoi, c'est ça. Oui, par contre, je suis pas sûr que. Ah, mais non, là ça sent la chute là. Allons, ça va. On a fait le nécessaire, hein, mais par contre on a récupéré. Je veux bien qu'on ait récupéré ça, mais par contre j'ai perdu deux choses utiles et j'aime pas ça. Je vais récupérer mes boules de feu, et alors tu me rends mes boules de feu. J'ai besoin de mes boules de feu. Alors les ennemis, tu repop. Yo-ho. José, ramène Hip Hop. Hip Hop pu. Hip Hop pu. Ah, merci. C'est gentil de repopper. Voilà. Mais par contre, t'étais pas obligé de me frapper, hein, sale méchant. Voilà. Ah, par contre, niveau... On va peut-être dû racheter un... Bah non, je pouvais pas. Ouf, dommage. Non. On va voir à gauche. Ouh, alors là, un gros premier plan, mon cochon, c'est ça? Bonjour, madame. Il y a une porte à gauche. En vrai, je suis pas sûr qu'on puisse y accéder, vous voyez. Il m'a l'air d'y avoir une espèce de clé à avoir. Mais à voir justement si c'est possible. Bon, je suis mauvais là sur ce saut. Veuillez m'en excuser. Oui, m'en excuser. Ah, vous voyez, il glisse comme ça pour... Oh, c'est beau! Oh, c'est intelligent pour une fois. C'est bien coordonné, c'est bien. C'est intelligent. Ah, bah, du coup, ça fait un gros monstre. Ah, ouais, d'accord. Ok, donc vous pouvez jumeler jusqu'à combien comme ça? Alors, lui, par contre, je sens que... Allez, bim! Ha 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 ha! Et du coup, là, il y a de la magie dans l'air, de la magie. Ah, ça, c'est magique. Là, un fantôme. Alors, c'est pas le fantôme de Carlo. Allez, il commence à y avoir beaucoup de trucs, là. Ah, bah non, je dois aller à gauche. Apparemment, je dois quand même aller à gauche. C'est juste que quand il y a plusieurs chemins, j'ai souvent tendance à voir un peu le premier, à voir où le deuxième m'amener. Ah, bah c'était juste ça. Oh, bon, en plus, ça me donne rien d'intéressant de cette chouette. Est-ce que c'est une chouette d'ailleurs? On pourrait dire que c'est une chouette, voilà. Et non, par pitié, évitez les blagues sur les chouettes. Ce serait chouette. Merci.
Oui, moi j'ai le droit. Mais... Mais il est agaçant celui-là, hein. On est en train de récupérer pas mal de petits pognons, là. Pognon. Voilà. Alors, ils sont en train de prendre tellement cher, c'est... Ah, mais avec le pied, carrément. Ah, mais là, il y a plus de respect pour le cochon, là, c'est... Ah non, mais là, il est en mode totalement irrespectueux, quoi. Du coup, est-ce qu'il faut qu'on fasse revenir le fantôme ou pas? Non, le fantôme est reparti de l'autre côté, donc il faut juste qu'on passe par là. Alors, du coup, on tire le levier qui fait descendre. Ah, d'accord, intelligent. Et en plus, on arrive sur un nouveau passage. C'est intéressant. Par contre, attends, le but, c'est juste que je ne sais pas quand est-ce que j'ai commencé à ce niveau, et du coup, je ne sais pas combien de temps on suit. Ok. Ok, à peu près un quart d'heure, peut-être un peu plus. Alors, village de Lipia. À gauche. À gauche. D'accord, et si par contre on arrive. Mais il y a quelque chose dans le coin, c'est obligé. Qu'est-ce que c'est que ce triangle? Il me perturbe. Il me perturbe ce triangle, il me perturbe beaucoup, ouais. À mon avis, il y a quelque chose là-haut. Qu'il faudra sans doute avec un autre pouvoir, c'est ça? Mais je ne sais pas ce que c'est. Par contre, on peut aller plus loin et complètement aller tout défoncer. Voilà, c'est ça. Oui. On peut toujours faire ça. On ne sait jamais. Ah, c'est quoi cette. Ah. Mais t'es méchant. Je ne t'ai rien fait. Tiens, je ne t'ai rien fait. Mais. Ne glissez pas. Ah ouais. Un distributeur à ennemis. C'est cool ça par contre. Voilà, franchement j'avais besoin de vie. Excuse-moi monsieur le cochon, vous n'auriez pas vu un garçon aux cheveux bleus dans les parages? Zeke, c'est moi, Jean. Jean, je suis conscient que tu es... Bien sûr, j'en suis conscient. Regarde son ventre énorme. C'est vrai que j'ai mangé. Alors, je suis un dragon super cool et toi, un grouineur qui sent pas très bon. C'est plutôt marrant. Dépêchons-nous de sortir d'ici et de retrouver mon plein abo pour régler tout ça, voyons. Pas que ça à faire, moi. Bonne idée, quoi. C'est très facile de se perdre ici. Mais je connais le chemin, suis-moi. Attends-moi. Ah non mais ce... Ah ah. Un super groin, oui, ça veut dire qu'on va voler. Ou alors ça veut dire par là à la sortie. C'est possible aussi ça. Mais... Je vais mourir comme une merde. C'était prémonitoire. Hein? Ah, tu reviendras ici. Ah, c'est un tu reviendras ici, c'est cool. Pas mourir dans cet endroit, c'est cool ça. Et par contre, ça c'est pas cool hein. Voilà, donc tu me rends mon cœur, c'est gentil. Voilà. C'est par en haut à droite qu'il faut aller, je veux bien, mais j'ai pas osé. Voilà, tiens, saleté de rat de mes... Hein? Voilà. Mais c'est quoi ce passage tordu? C'est quoi ce... Ok, en fait, c'est un labyrinthe, c'est ça. C'est un espèce de labyrinthe. Ah bon, je me donne du pognon pour pouvoir refuser. Voilà, schluck. Schlick, schlack, schluck.
je cherche encore où qu'il y ait d'autres passages secrets. Ah, par contre, c'est en bas qu'il faut aller. Je vérifie s'il n'y a pas d'autres passages secrets, mais apparemment, c'est en bas qu'il faut aller. Regardez, si on voit la carte, on est dans un endroit ici. Là. Voilà, et hop. Oh là 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 là, il y a des chauves-souris. Mais... Il m'attaque pas, mais j'ai rien fait, moi. Tiens. Eh tiens, voilà, prends ça. Et ça. D'accord. Mon Casper, il est bien gentil, hein, mais... Oh la vache. Oh bah juste, j'ai totalement pas vu venir. Ah bah allez, hop, tiens. Mais t'en finis, oui. J'ai intérêt de se barrer parce qu'on est foutu ici. La porte! La porte! C'est Bernard, c'est la porte! Parce que si on va à gauche, c'est sûr qu'on est foutu. Ah non, même pas! Non, non, non. Oh putain, on se casse! Non! Oh, avec en plus des petits ennemis de merde, quoi, c'est... Je peux demander de mieux. Attendez, voilà. Ah bah oui, mais je suis con des fois, moi. Allez, hop. Mais... Allez, fais chier ce petit... Oh la va. D'accord, ah oui, non mais là c'est d'une extrême violence ce truc. Alors le... c'est un mini-boss. Mais assez... C'est grave quand même, ouais. Merde, attention. Ouais. Alors là, j'ai vraiment pas compris. Donc là du coup c'est un coffre... Encore une fois, faire le travail, faire le ménage. Mais vous avez vu ce qu'il nous fait, lui, là? Non! Eh, tu me fais chier, tu... Désolé. Oh là là, un boule de feu! Mais... Bon, il me reste un demi-point de vie! Oh la vache, on a failli se suicider. Et j'ai totalement zappé ce coup là, j'avoue. Ah, le télé... Ah, le coup de poing dans les dents. Ah, il est d'une violence inouïe. Ah non, mais là, mais il est d'une violence. Petit, petit, viens là. Merci. Aïe, aïe, aïe. Alors ça, c'est bien, c'est que ça lui fait perdre des points de vie du coup. Oh là, mais la violence de ces ennemis quand même, c'est impressionnant. Ça me fait toujours rire comment le push, le punch, le renvoie, c'est impressionnant. Allez hop, vas-y, viens là, par ici la sortie. Ouais, ouais. Oh bah alors là, il est en train de prendre très cher. Oh là là, on a eu chaud. Attention ici. Voilà, attention à l'autre qui devrait sauter dans pas longtemps. Même pas, non, toujours à pleine vie. Du coup, on va pouvoir la battre. Pas encore, mais on est pas loin. On l'a tué normalement là, quasiment là. Ben là. Le super coffre. Super coffre pour super clé. Clé jaune des égouts. Cette clé devrait ouvrir une porte verrouillée quelque part dans les égouts. Libre à toi de deviner où. Alors du coup on va aller à droite parce que ça nous semble quand même beaucoup plus logique de sauvegarder. Déjà ça.
comme ça, ça, ça fait, on a plus qu'à repasser. Bien. Conscient qu'au départ je devais quand même aller retrouver Zeke quand même. Hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant quand même. Bon, enfin, du coup apparemment je pense qu'on peut aller par là. Oui, on peut aller au village de l'ancien ou je sais pas quoi là. Rien ici, juste une save. Le piège foireux. Ah mais non, intelligence. Eh. Bon, l'ennemi qui pop comme ça à un moment au milieu de nulle part, je veux bien, mais c'est un peu limite. Hein. C'est un peu très limite quand même. Merci d'être d'accord avec moi, c'est gentil. Salaud. Voici, nous voilà. Hop. Un petit cœur, c'est gentil. Bonjour. Bonjour. Attention, il ne te voit pas. Il est blasé de la vie. Et voilà, dans le dos, comme un mal propre, c'est tellement beau. Et du coup, voilà comment on y arrive. Hey, hey. Mais t'en as mis du temps, frérot. Je pensais que tu étais juste derrière moi. Ouais. Tu as oublié que je transporte un poids supplémentaire. Ouais. Ah oui. Pardon, désolé. Le village de Lupia, il est juste au-dessus. Au fait, tout le monde dans le village est déjà au courant de ta nouvelle forme. Je n'ai pas vu l'empêcher de leur dire. Désolé. Il est gentil, vraiment, c'est un... C'est un amour, hein, ce... Je vais rentrer dans cette porte. Je passe, ne faites pas... Hein. Alors, est-ce que ton crocus ça aide? Apparemment, non. Ça n'aide pas forcément. Alors, pas le cochon, apparemment pas le cochon. On a dit apparemment pas le cochon. Bon, ok. Donc du coup, il faut aller au village de Lupia ici. On est arrivé à Lupia. Jean, regarde, j'ai toujours voulu voir un pingouin. Est-ce que c'est la garde royale? Visiblement, ils n'ont pas pu échapper à la transformation eux aussi. Je vous arrête pour avoir aidé votre oncle à ruiner notre royaume. On ne l'a pas aidé. En fait, il nous a aussi changé en animaux. Regardez-moi. Mais alors, qu'est-ce que vous faites ici? Vous m'avez tous les deux l'air très suspect actuellement. Nous sommes venus voir si quelqu'un savait comment rendre leur forme humaine à tout le monde et aider notre oncle. Oncle, m'avouez peut-être un peu idiot, mais il ne ferait de mal à personne. Vraiment, c'est... Non. C'est vrai, il doit être sous l'emprise d'un sortilège ou quelque chose comme ça. Mais si vous voulez vraiment réparer les dégâts causés par votre oncle, alors je ne vous emprisonnerai pas. En réalité, je pourrais vous être utile. Selon les archives royales, ce n'est pas la première malédiction qui touche notre royaume bien-aimé. Les légendes parlent de plusieurs œuvres sacrées qui furent jadis utilisées pour expier le mal et protéger nos citoyens. Si seulement nous les avions tous, mais la
Je peux trouver les orbes. Dites-nous juste où ils se trouvent. Maintenant, quel jeune courageux. Dans ce cas, il va falloir que je consulte à nouveau les archives pour connaître la position de chaque orbe. Pendant ce temps, va explorer les bois de la brume situés à l'ouest d'ici. J'ai le sentiment que l'un des orbes s'y trouve. Je doute que vous puissiez y arriver dans le vent actuel, mais bonne chance. Vous allez voir, je vais retrouver ces orbes, même si je dois explorer les endroits les plus dangereux du royaume pour ça. Ouais, on arrivera à bout de cette malédiction et tout rentrera dans l'ordre. J'espère vraiment que ces orbes existent. Alors, vous ferez mieux de trouver les orbes avant de capturer Yonabu. Le roi a planifié une rencontre importante entre lui et le bourreau du château. Vous feriez mieux de vous dépêcher. Je te laisse gérer, Jink. Je vais continuer de survoler les environs pour chercher des indices et des choses utiles. Je te retrouve plus tard. Ok, on vient de se faire tarter par des pingouins. Merci beaucoup, Sergent Bird. On se revoit dans Spyro 3. Et ne vous inquiétez pas, je me vengerai pour ça. C'est très gentil, vraiment. Et c'est ainsi que ça s'achève. Et oui, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo très cochonne. On se retrouve la semaine prochaine. Pourquoi? Ça y est, pourquoi? Pourquoi? Mais pourquoi? Oh. Bref, du coup, merci à vous. Bisous, bisous. Bye. À la semaine prochaine.